Yo les gars, j'espère vous avez la forme. On se retrouve sur 2K23 les gars. Voilà, découverte en vidéo. Donc voilà, par contre il n'y aura pas la musique les gars, vous savez, pour le droit d'auteur. J'ai pas envie de me faire niquer un peu comme comme la vidéo découverte que j'avais fait sur 2K22 à tard l'époque. Et du coup, ben voilà, vous savez que à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu de catch, je fais tout le temps un live ou des vidéos dessus. Et là, bah, du coup, je vais refaire, même si c'est hors contexte de la chaîne. Voilà, c'est un kiff, donc voilà. Découverte, j'ai pas fait le dictatiel parce qu'il y a peut-être un nouveau système et tout, donc je sais pas. Donc, on va découvrir tout ça. D'abord, bah, découverte, on va se faire au moins un match, histoire de voir que. Si le système de combat, tout ça, voilà, l'interface, par contre, les gars. Ok, on va faire un match, on va découvrir un peu ce qu'il y a, tout ça. Et on verra d'ailleurs, on voit le nouveau système, ok, pas mal. Wargame, oh, le wargame. Oh, pas mal du tout. Par contre, les gars, il n'y aura peut-être pas d'intro, pour comme ça, je pourrais les poster directement, parce que là, je pourrais pas. Donc je pense qu'il n'y aura pas d'intro les gars, tout ça. Bah les gars, je pense qu'on va tester un 1 contre 1, tu vois. Basique, règle de match. Oh là là, on peut choisir les règles. Mais c'est trop bien sa mère. Ah franchement, c'est propre. L'interface, j'aime bien. Bah normal, écoute. Arène, on va voir un peu les arènes qu'on a gratuitement. Ok, après ça, faut peut-être tester. On a que ça là? Ah, il y a aussi tout ça. Oh putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Ok. Ouais, c'est après. Ouais, on a. Après, je sais pas lequel WrestleMania. On en a pas des masses. Hein. On va mettre WrestleMania pour voir c'est lequel 38. Ok. Bah, let's go, les gars. On teste. Je suis en mode waouh. On va prendre un personnage. Qui est-ce qu'on va pouvoir jouer? Ah, tous les personnages. Bon, du coup, j'ai pas tous les gars. Hein. On va prendre ce qu'il y a. Voilà, parce que j'ai pas le truc pour tous les persos. Par contre, on dirait qu'il fait. On dirait qu'il fait gros Jimmy là comme ça. Ok, John Cena. Putain, ça fait bizarre de voir les personnages. Kane. Ok. Waouh. Ok, Liv. Là, peut-être pas les gars. Je sais pas qui est-ce qu'on va prendre. Waouh, Orton aussi. 93, ah ouais, pas mal. Ok, Rey Mysterio. Ouais. Y a qui qu'on pourrait prendre? Ah bah voilà, on va prendre le Big Boss, hein, le meilleur de tous les temps. On va prendre Roman, hein, les gars, je pense. Hein. Honnêtement, on va prendre Roman. Hein. Y a pas photo. Avec un manager, ouais. Y a pas? Attends, femme. Ah, oh, bah vas-y, laisse tomber. Ouais, bah good, hein, je pense. Avec entrée, on va laisser avec l'entrée, les gars, juste pour voir. Bon, il n'y aurait pas la musique, logiquement, je crois. Et voilà. On va faire son titre, je pense. Contre, bah tiens, Sami Zayn. Et bah, l'arène, du coup, on a fait. Ouais, bah c'est bon, les gars. Vas-y, les gars, on teste. On va tester un match pour voir un peu le système, pour voir si c'est pareil ou pas. Et ça, tu vois, ça fait bizarre. C'est totalement différent de 2K22. Hein. Juste les personnages, tout ça. Oh là 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 là. Le kiff, les gars. Du coup, j'espère que vous kifferez les vidéos sur 2K23, les gars. Donc, un max de pouces bleus, les gars, ça ferait grave plaisir. Et si vous êtes chaud, si vous kiffez les vidéos dessus, je pourrais spammer sur ma chaîne secondaire, les gars. Sur Monsieur Phoenix TX. Comme ça, vous pourrez voir que des vidéos consacrées à 2K23 là-bas. Si, bien sûr, ça vous intéresse plutôt de. Bah, plutôt que. Voilà, me suivre sur cette chaîne. Et bien sûr les gars, pour ceux qui regardent cette vidéo les gars, on va faire la, comment dire, un live découverte. Voilà, je ferai un live découverte, même si j'aurais fait la vidéo découverte, mais je ferai un live découverte. Donc je vais jouer à 2K23, donc n'hésitez pas à être présent. Je pense qu'au moment même que la vidéo sortira les gars, je liverai le soir, donc n'hésitez pas à être là, voilà, simplement. Donc là, c'est franchement, il est bien fait de fou. Par contre, il n'y a pas la musique, les gars, c'est normal. Oh là 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 là, avec les deux titres et tout. Oh, ah, le kiff de pouvoir jouer Roman comme ça. Oh là 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 là, les gars, vous pouvez pas savoir. Ah, c'est parfait. Ok, vas-y, on va passer. De toute façon, il n'y a pas la musique. Donc, dans tous les cas,
Osef. Juste pour voir les personnages, l'entrée, la posture, tout ça. Ah là 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 là, Sami Zayn. Ah franchement, ces kiffs sont bien faits. Ok, bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre sur la musique, les gars, mais bon, c'est pas grave. Allez, on passe au match. Ah, on va voir un peu si ça a changé ou pas. Donc, ok. D'accord, ouais, toujours pareil pour faire ça. Ok. On va voir si c'est plus fluide ou pas. Ok. Alors. Attends, c'est pour esquiver ça? Je sais pas ce que j'ai fait là juste avant, les gars. Je teste un peu les touches, donc on va voir. Hein. Ok, c'était quoi ça? Attends, vas-y, je te relève, Samy. Alors. Ah ouais, c'est pour esquiver, non? Je sais pas. Esquiver, puis full gifle, ok. Bon, bref. On va voir un peu ce que je peux faire. D'accord. D'accord, d'accord. Du coup, on a les potes de Roman, on a tout là. Ah, c'est parfait là. Ah, franchement, c'est plaisant. Mais non! Oh, il s'est failli. Par contre, le contre, du coup, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est pareil? Ok, là, il n'y a pas eu de contre ou quoi que ce soit, du coup, je sais pas. Ok. Ça, c'était un petit dégagement qu'on a. Alors, par contre, je vois qu'on a une barre jaune, une barre bleue. Je sais qu'on a une barre pour le finish, l'autre, je sais pas c'est quoi, peut-être pour l'endurance. Donc, la barre bleue, c'est pour le finish, je crois. Par contre, après, je sais pas à quoi ça sert le reste, les gars. Après, les gars, je vous parle aussi, bien sûr, parce que j'ai pas vraiment vu ce qu'il y avait d'annoncé sur le jeu. Donc, pour moi, c'est vraiment totale découverte, les gars. Donc, si pour vous, il y a des trucs que vous savez, moi, bien sûr, je sais pas. Donc voilà. Je préfère prévenir au cas où, parce qu'on va dire, ouais, pourquoi il est comme ça devant ça. Parce que, les gars, je découvre vraiment totalement le jeu. Hein. C'est vraiment découverte. Ah, si, ok. Triangle pour contrer. Toujours la même chose. Lorsque vous subissez une attaque, ouais, ok. Inflige plus de dégâts. Ok, ouais, bon, ça c'est contre basique. Ok, d'accord. Allez, hop. Patate. Patate. Ok. Non. Par contre, j'ai pas encore le finish. Déjà, là, le finish, il met un petit peu plus de temps à arriver, je trouve. Comparé à avant, je sais pas si c'est moi. Ok, on peut sortir dehors. Hop, esquiver. En tout cas, c'est agréable, je sais pas, c'est plus fluide, je trouve, pour jouer les prises, tout ça. Le gameplay, en fait, je sais pas, c'est différent, je trouve. Je sais pas. C'est quoi, c'est plus amusant. Hop. Patate. Ouh là là, il a esquivé. Ok. Allez. Parfait. Ouh. Non. Ah, j'ai pas eu le temps. Ah, je suis dégoûté. J'ai pas eu le temps de faire mon coup spécial. Ok, du coup, c'est bien la barre bleue. Attendez, c'est quoi? C'est... Attendez. Ah, j'ai pas. Attendez. Ah. Attends, relève-toi, Samy, s'il te plaît. J'ai pas vu ce que c'était marqué. Ouais, c'est toujours pareil. Ok, donc, ah oui, c'est la soumission. Ah oui, c'est vrai. Il a la soumission. Bon, là, je vais me faire péter le cul, non? Ouais, je vais pas réussir. Ouais, je vais pas réussir. Ouais, je vais pas réussir. Je vais briser parce que je vais pas réussir, les gars. Ça sert à rien. Par contre, du coup, pour faire son punch, qu'est-ce que c'est? Coup spécial. Ah, oui, c'est en courant. Ok, il y a le coin, la guillotine, Superman punch, l'extérieur. Ok, d'accord. Ok. Astuce pour voir, pour être sûr. On va tenter le tomber, parce que je crois que c'était le différent. Allez, hop. Ah, merde. Bon, allez, là, qu'on en finisse, comme ça, on passe au prochain. Mais du coup, assez content. Bon, on aura testé, c'est le gameplay, toujours pareil, en termes des touches, tout ça, donc ça va. Il n'y a pas grand-chose qui a changé, en fait. Genre vraiment. Donc sur ça, c'est good, hein. Allez. Faire le tomber directement, si possible. Alors, plupart des mains, vous pouvez réaliser à tomber qu'un tiers de ring, vous devez incliner, mais juste de synchro. Ah, il n'y a que le tombé qui a changé, je crois, les gars, qu'ils avaient annoncé, je crois. Non?
Oh, nickel. Ok. Bon, bah, victoire. Donc, ok, sur ça, ça n'a pas changé, c'est comme d'hab. Trophée débloqué, bah, je suis pas normal, hein. Ok. Dommage, dommage qu'il n'y ait pas la musique, les gars, mais oh là là, ça va être un truc de fou pour jouer. Ok, bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok. Quitter, on va quitter les gars. Donc, premier match, plutôt content. Il n'y a rien qui a changé sur ça, du coup, c'est cool. Juste, c'est plus fluide, c'est plus dynamique, je sais pas. C'est différent. Donc, on a le showcase, on a le mode univers, on a le MyGM. Ah, mon ascension aussi. On a les créations. Donc, voilà, je vous présente un peu le menu parce que du coup, je ne l'ai pas présenté. Arène, show, match personnalisé, image, vidéo, titre, 10 de coups. De coup, pardon, j'ai loqué. On a en ligne salon, match de ce soir. Ah ouais, classement, option ligne, création et jeu rapide. D'accord. Et là, on peut voir les paramètres, tout ça. Du coup, j'ai rien changé à part la musique, les gars, j'ai rien enlevé. Donc voilà, on peut tester mon univers pour voir un peu comment que ça se passe. Je crois que c'est ça, c'est mon univers. On va tester un peu pour voir un peu. Création. Bienvenue dans les univers qui vous donnent la possibilité d'intégrer une promotion W avant de commencer. Choisissez un mode. Ok. Classique. Mon bac à sable. Suivez et prenez le contrôle d'une superstar. Bah, je pense qu'on va faire ça parce qu'en vrai, j'ai pas d'idée. Donc bien sûr, on va prendre le. Bah, il est déjà champion, donc en vrai, je sais pas. Oh, il y a Becky aussi. Ah, ça me tente. C'est quoi? On va prendre Randy Orton parce qu'en vrai, Randy Orton le mérite. Pour tenter sa chance à WWE Tag Team Champion. Ok. Eh ah, ben vas-y, on va tester. On va prendre Randy Orton. De toute façon, les gars, c'est un test. Voilà, alors passons à l'action. Maintenant que vous avez sélectionné votre superstar, choisissez votre match suivant pour passer au show et au match de la superstar Randy Orton. Bonne chance. Ok. Ah, c'est là. Par contre, je kiffe l'interface, ce que je trouve. Option, ouais, style classique, on peut changer. Du menu de progression, on peut changer. Bah, toutes les semaines, peut-être. Rivalité automatique. Annonce de cash par là. On va monter, je pense. Être drôle. Là, c'est vrai que tu peux modifier ça, c'est trop bien. Franchement, on va tout faire. Hein. On va monter ça. Pourquoi? Pour que ce soit plus fun. Mais ouais, ok. Bah, let's go. Hein. J'ai envie de te dire. Oh, premier match, on est avec Riddle contre aucun tag team. Bah, let's go. Hein. On va faire ça entrer, les gars. Et action de rivalité. Intensité faible, ah c'est trop bien, tu peux voir les détails et tout. Non, franchement, ils ont bien fait ça. Hein. Match de respect avant match. Ok. Comment ça? Qu'est-ce que je viens de faire? Ah, on a choisi un. Je sais pas ce que je viens de faire. Je vous cache pas, je sais pas du tout. Ok. Ok, bon, on va jouer Randy Orton, les gars, let's go. Par contre, je sais pas du tout ce que je viens de faire. Bah, du coup, c'est pas en tag team là. Ok, bah, vas-y, on a contre un. Vous pouvez décider quel titre de superstar peuvent tenter de remporter dans le menu. Oh, c'est pas mal. Ah, ouais, c'est fou. Ok, d'accord. Le match continue. L'arbitre s'est pris un coup perdu. Oh, ça va être incroyable le mode univers. Oh, ça va être fou. Oh là 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 là. Franchement, je crois que ça va être le meilleur jeu de cas de W quoi qu'on a pu avoir. C'est le meilleur jeu. Déjà, le fait de dans le mode univers, tu peux faire beaucoup plus de choses. Tu peux même faire créer ton show, ta situation et tout. Non, franchement, c'est une dinguerie. Ah, Randy Orton. Hop. Ok. D'accord. Je vais essayer de. Parce que c'est vrai que ça fait longtemps du coup j'ai pas joué non plus au catch.
préfère le tomber, ouais. Hop. On jouera peut-être un personnage féminin après, les gars, je sais pas. Mais il faut pas que là, ça dure trop longtemps non plus, parce que du coup, j'ai qu'une heure de vidéo, moi, les gars. Enfin, de max sur la play. Ok. Bam. D'accord. Encore une petite patate. Voilà. On va aller sur les corps, on va tester un peu plein de choses qu'on n'a pas, qu'on fait pas d'habitude. Ok, d'accord. Pas mal. Bon, le pauvre, j'ai déjà détruit. Il a à peine commencé, il m'a touché que 0 fois, je crois. Ah ben, bah, on part du loup. Aïe. Non. Ok. Ah, je pouvais pas esquiver, d'accord. Ah. Par contre, c'est bien, il y a le truc de quand t'es au sol, tu peux soit te contrer, entre guillemets, et te relever, ou sinon tu te relèves d'un coup. C'est récupération rapide, je crois que c'était avant. Je sais pas si c'est la même chose, vu que j'ai pas vu le nom. Mais c'est pas mal. Oh, pas mal. D'accord, nouveau petit système. Je sais pas c'est quoi le cercle. Je vais pas mentir. Ah, la barre jaune, les gars, c'est le contre. Ok, je crois que c'est ça. D'accord. Je crois que c'est ça. Bon, si c'est ça, c'est un peu nul. J'ai pas mytho. Mais je crois que c'est ça. Hein. Ok. Non. Ah non, je crois pas. J'en ai aucune idée, les gars. La barre jaune. C'est rien qui savent, les gars. Mais. D'accord. Ah, c'est le nouveau système de tombée. Alors, je sais pas quoi en penser du nouveau système de tombée. Est-ce bien ou mauvais? Enfin, je pense que ça a l'air peut-être mieux, mais à mon avis, je pense que dans les cas critiques, ça doit être hard pour avoir juste. Donc à mon avis, je sais pas. Un peu perplexe sur le système de tombée. Je pense que, en fait, le système de tombée, c'était tellement mieux à l'époque. Quand genre, tu devais spam ou je sais plus quoi, genre dans les 2K... Enfin, pas les 2K20, mais vraiment tard à l'époque, avant qu'il fasse d'autres systèmes. Avant, c'était tellement simple à l'époque. Ah, franchement, le système de tombée sur les jeux de cash, ça m'a toujours traumatisé depuis qu'ils ont changé à l'époque vers 2014, tout ça. Oh la vache! Ok. Bon, est-ce que je peux me relever? Non. Ok. Ah, mais vas-y, tu saoules. Laisse-moi contrer là, frérot. Ouais, oh, c'est quoi ce bug? Ah, ça commence les bugs. Ah, ça commence les bugs. Oh, premier bug. Comment qu'il s'est tordu en deux, frérot? Bon, après, c'est normal. Il y a toujours eu des bugs dans les débuts de jeu. Ça sera patché. Ça me fume. Je pensais pas qu'on allait rencontrer des bugs. Par contre, je me fais éclater sa mère. Mais oh! Non, mais c'est une dinguerie ce qui se passe. Merci, je peux contrer, enfin. Il va faire péter mon crâne, lui. Allez, viens ici, toi. Oh, j'ai plus mon coup spécial, je crois. Ah, j'ai le seum. Tiens, dans tes dents. Ah, hey, tu peux récupérer des PV quand... Ah oui, quand genre t'es limité. Ok, d'accord. Allez, RKO, les gars. RKO, les gars. Let's go. Oh, avec le tombé. Oh, c'est pas mal. Let's go. En tout cas, c'est bien fait. Hein. Tu vois vraiment que c'est mieux. Oh, il y a même un effet sur le tombé, sur le chiffre que 3, 2, 1. Un petit effet jaune. Pas mal. Enfin, c'est des petits détails de merde, mais franchement kiffant. Ok. Bon. Bon, on a fait de la merde en termes d'étoiles, mais voilà, c'est... Plus ça fait un bail, j'ai pas joué au catch. Donc, vous m'en voudrez pas pour le gameplay de merde. Ok, donc ça skip tout d'un coup. Il y a eu Roman. Ouais, Roman a gagné, logique. Et on peut skip. Ok. Ok, ok. Bon, le mode univers, en tout cas, ça fait grave kiffant. Là, franchement, je vais kiffer jouer au mode univers. Vous pouvez continuer à explorer les différentes options. Ou que tu as joué les matchs de votre superstar. Ok, d'accord. Je vous choisis rapidement de faire bouger les choses de votre superstar. Oh, ah oui, c'est ça, je veux créer un match. Je veux... Oh là là, c'est trop bien. Mais c'est trop bien, les gars. Oh, c'est une dinguerie. Je veux créer un match, je veux me battre pour un titre. Ou remettre le titre en jeu. Ah, tu peux remettre le titre en jeu. Oh, le banger. Oh là 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 là. C'est trop bien.
D'accord. Bah, c'était pour tester. Grave content. C'était juste pour tester un peu le mode univers. Donc tu peux créer, avoir ton opportunité, créer une opportunité, dissoudre la team et tout, si tu veux. Non, franchement, le mode univers, les gars, ça va être une dinguerie. Ensuite, on a la faction, mais en vrai, la faction, Osef. Mon ascension, ah, c'est quoi ça déjà, les gars? C'est pas le... Attendez, on va skip. De 10% de sauvegarde dans l'histoire. Ah oui, ça c'est pas mal. Ah, ça par contre les gars, c'est le meilleur. Attends. Ah non, c'est pas ce que je pense, je crois. On va prendre ça, je sais pas. Attendez. Faut pas skip. Merde, je peux pas skip. Il est inarrêtable. C'est la star du show. Attendez, c'est pas ce que je pense en fait. L'ascension, c'est quoi déjà? Un vrai verrou. On l'a verrouillé. Je suis The Lock. C'est bon? Attendez, c'est bien ce que je pense au moins l'événement, l'ascension. Non? Ah! Ah oui, ah non, oui, ouais, bah, ah non, Osef, les gars, on verra ça plus tard. Hein. On pourra faire les trucs qu'on n'a pas découvert ici dans une autre vidéo, les gars, si vous souhaitez. Donc, ok, oui, ok, d'accord. Ah oui, c'est MyGM plutôt. MyGM, c'est le meilleur événement du jeu de catch. Pour moi. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. Let's go. Ah ouais, il y a plusieurs. Ouais, Steph, hein, ouais. SmackDown. Ouais, c'est ça. Humain, Orgy. Ah, c'est trop bien. On va prendre Xavier, Ro. Ah, tu peux. Ah! Ah, mais c'est une dinguerie. Ah, ils ont amélioré ça, attends. Attends, vas-y, Orgy. Prends lui. Y'a tout qui est bon, on est d'accord. Lui, Orgy, si on est des villes. Confirmé. Bah attends, c'est une dinguerie. On va mettre difficile. Du jeu. Ouais, difficile, hein. Ou. Ah, tu peux choisir le budget! Incroyable! Horde normal. Ok. Oh, c'est trop bien! Ils ont amélioré ça. Draft auto. Non. Non, draft quand même pas par soi-même. Et commencer. Oh la dinguerie les gars. Ah ce mode les gars. C'est le meilleur mode de 2K23. Je le dis, j'annonce. C'était un banger sur 2K22. Là sur le 2K23 ça va être une dinguerie encore plus. Ce mode là est tellement kiffant. Tu passes des heures dessus. Mais c'est tellement fascinant. T'es accro en fait à ce mode. Et tu peux jouer avec tes potes et tout. C'est. Tu t'amuses en fait. C'est le meilleur mode. Oh là là là, et tu peux choisir. Oh là 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 là. Ah, c'est trop bien. Ah, le kiff. Vas-y, les gars, on va tester vite fait. Hein. On va essayer de se dépêcher. Ah, Ronda. Ah, l'enfoiré. Ah oui, ils choisissent tous, c'est vrai. Ah, c'est un 4. Ah ouais, j'avais oublié. Oh, c'est la dinguerie, ça va être incroyable, les gars. Ah, par contre, c'est vrai, du coup. Oh, les bâtards. Bah, attends, je vais prendre Cody alors. Ah oui, mais du coup, tout le monde va prendre les meilleurs. Oh, la merde. Ah ouais, la dinguerie. Oh là là. Je crois que c'est ça, les gars. On va tous s'affronter là. Attends, je vais prendre Charlotte au moins parce que. Waouh. Ah par contre ça va être long là. Ah ouais 4 ça va être long par contre. Bon j'avoue que les gars là je prends mon pif hein, c'est vraiment pour découvrir. Rollins ceci. Ah oh, Big Boss. Y'a rien à replay ouais. Allez prenez vite. Ok y'a Rhea encore. On va prendre Rhea pour avoir au moins deux personnages féminins. Ok, j'ai encore un budget. D'accord, bon, le truc de zinzin.
Les gars, si jamais ça se coupe, les gars, c'est que jamais, c'est que bah, le temps est fini. Et il y aura peut-être la partie 2 qui sera postée. Donc si jamais ça se coupe, attends. Enfin, attends. Si ça se coupe avant, quoi, tu m'avais compris, les gars. En tout cas, les gars, si vous voulez que je spam les vidéos ou les lives dessus, n'hésitez pas à dire. Et je pourrais faire spam les vidéos sur la chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à agir vraiment et à spammer les pouces bleus. Ça me ferait grave plaisir. Faut que je fasse gaffe un peu au budget là. On se prend un autre personnage féminin, je pense, les gars, et puis on se termine là. Hein. Oh, Jey Uso. Jey Uso. Bon, on va prendre Bayley. Hein. D'accord. Ah putain, c'est une dinguerie à 4. C'est waouh. Je vous jure, ça va être fou. Oh là 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 là. J'ai hâte de voir comment en fait ça va se passer. Quitter. Ah, je crois que je peux quitter en vrai. Hein. Je vais garder le budget là. Hein. Pour pas sauvegarder là. Non. Il y a Logan Paul aussi. Truc de zinzin. Mais ils vont coûter cher eux, non? Ah oui, quand même. Et attendez les gars, qui s'est quitté la draft ou pas là? Quoi qu'on fait pour quitter? Parce que là, je veux arrêter de dépenser. Hein. Ah, c'est bon. Ah, terminé. Ok, d'accord. Ok, let's go. Voilà mon roster, les gars. Pas mal. Et maintenant, les autres, ils continuent encore à choisir. Ah ouais. Ok. Non, je préfère m'arrêter avec... avec un peu de thunes quand même. Et de toute façon, je peux racheter des personnages après. D'accord. On sait quoi qui termine par contre. Ah, ils vont dépenser leur thune à gogo. C'est vrai que tu peux encore en prendre pas mal. Hein. Vraiment des faibles. Mais je préfère garder le budget pour l'instant. On verra bien après. Ok. Qui est Tamina. Ok. Ouais. Mustafa Ali, Ozef. Ok, Roxanne. C'est bon ou pas là? En tout cas les gars, j'espère vous kiffez cette vidéo. Bon après ça coupe un peu la dynamique parce qu'il n'y a pas la musique les gars, mais vous pouvez me pardonner, hein, c'est pour les droits d'auteur. Et voilà, bah, par contre j'espère vraiment que vous allez kiffer. Parce que je sais que j'avais fait sur 2K22, vous avez kiffé. Et voilà, vous avez fait exploser les vues. Donc je sais pas si ça sera la même chose pour 2K23, hein, si vous allez faire un bon accueil, hein, je vais te dire. Donc on verra bien. Ok, voici l'équipe de... Ok, pas mal. Plutôt costaud. C'est bon? Ok, c'est bon pour tous. Nickel. Voici notre team. Let's go. Comment que ça se passe? Au moins, qu'on teste juste pour voir comment que ça se passe un jour. C'est tout ce que je veux faire. Première Galactic Trophée, Hall of Fame. Ah ouais! Vous permettrez de continuer à jouer et en mettant fin à votre fichier de sauvegarde. Oh! Nickel! Au moins, il y a un but! Quand tu rejoues le Hall of Fame, t'as terminé! Oh, mais c'est trop bien! Oh, c'est une dinguerie! D'accord! Là, au moins, on pourra terminer vraiment la sauvegarde. Oh, c'est un banger! Ok. Ok. Champion, on va mettre qui? Alors, désolé, Cody, hein, je t'aime bien, mais entre toi et Rollins, il n'y a pas photo. Ah, attends, il y a Orton. J'allais oublier. Il n'y a pas photo. Orton, les gars. Largement meilleur. Ensuite, ici, bah, honnêtement, entre Charlotte. Hein. Ok. Nickel. Alors, attendez. Ok, alors. Triple attente, voir ce que va donner ton premier show. Et au moins un match de type TLC cette semaine. Ok, d'accord. Attendez, c'est quoi ça? Discipline, ouais. Progression. On a des défis, c'est vrai, de saison à faire. Ok. Oh là là, ça va être trop bien, les gars. Ok, ok, c'est bon, je sais c'est quoi. Alors, participant. On va commencer avec elle. Oh là là, ça va être trop bien. Avec Ripley, ça tombe bien. Ah, oh, c'est trop bien l'interface quand ils changent. Oh, franchement, ils ont trop bien fait ça. Je jure. D'accord. Ensuite, là, je peux mettre Drew. Avec
Paul, pas mal. Match pour le titre masculin. Ah ouais? Bah vas-y, hein, let's go. Ah ouais, pour le titre là. Ah, c'est trop bien. D'accord. Et là, je peux mettre. E. Ça, c'est pour tester, hein. Après, on verra bien. Et ah, par contre, ah, si contre Rollins, ça peut le faire. Let's go. Auto-promo, on va mettre en charité pour Cody. Et let's go, hein. On va tester. Par contre, on va skip, on va pas faire les matchs, bien sûr, les gars, sinon ça va être trop long. Donc, on peut engager, roster et tout, agent libre, pareil. Et là, quantité limitée. Oh, c'est nouveau ça. Averse pour doubler le prix de leur power guard dans la boutique semaine prochaine. Oh, c'est bâtard! Oh, il y a des nouveaux trucs! Oh, c'est trop bien! Le moral! Ah ouais! Non, franchement, c'est pas mal, hein. Je suis désolé, hein. Si, on vas-y, les gars, on termine. C'est pour tester, de toute façon. On va voir un peu comment que ça donne. Est-ce qu'on affronte les 4 shows, en fait? Donc, bien sûr, on va simuler, les gars. Hein, parce que, bah voilà. Oh, nouvelle championne, non? Oh, décevant. Bah, tu m'étonnes, frérot. Koji, ok, parfait, on a fait un bon truc. Ici, est-ce que ça passerait entre deux, là? Ok, Drew. Bien. Oh, j'ai une nouvelle note en plus pour la rivalité. Ok, let's go. D'accord. Camellia. Sans intérêt. Tu m'étonnes. Et là, pour le match, je pense que ça va être incroyable, non? Orton en plus. Oui, voilà, correct, ça va, ça passe. Ok, bon. C'était pas incroyable, le show. Et là, tu peux simuler pour le show adverse. Ouais, bon, on simule, hein. On va de vrai aux F, mais ça veut dire. Oh, c'est trop bien. D'accord, donc t'affrontes les 4 shows. Mais ça une dinguerie, les gars. Ouah, par contre, Raw nous a explosé, hein. D'accord, ouais, c'est censé, c'est la même chose. Oh, la dinguerie! D'accord. Ok. Viser la lune. Ah ouais, tu peux voir qui est-ce qui est premier. Oh, on est dernier, wesh! Ah, les bâtards, on est dernier. Ok. D'accord. Ah, c'est trop bien! Ah, franchement, les gars, vous pouvez. Là, je vais spammer summon, mais c'est un truc de zinzin. Ok, d'accord, mais pas un super match, mais ils veulent aussi un show avec des combats variés. Oui, bon, j'ai compris, excuse-moi. Hein. Ah, oui, puis j'ai pas fait le TLC. Ah, merde. Ouais, j'ai pas fait gaffe. Bah, c'est pas grave. Ok, les gars, c'était juste pour tester. Donc, il y a encore d'autres choses à découvrir. C'était juste pour tester au moins. Celui-là, ce match, je le kiffe, sa race. Donc super. Donc après, il y a d'autres matchs, hein, les gars, de cheap, tout ça à découvrir. Puis bien sûr, il y a le showcase de John Cena à faire. Donc ça va être un pur kiff, je pense. Et voilà, donc c'est tout, les gars. On va s'arrêter ici parce que ça dure pas mal de temps la vidéo, je crois. Donc j'espère que vous avez kiffé, les gars. On n'aura pas le temps de tout faire parce que bah voilà, ça dure longtemps pour découvrir, tester les matchs, tout ça. Donc on peut se faire une partie 2 ou juste des matchs ou découvrir directement les shows consacrés. Donc, maximum pouce bleu, les gars, si vous voulez la suite des vidéos dessus. Et n'hésitez pas à être actif et pour me rejoindre en live ce soir. On va tout faire, on va découvrir, on va se faire des matchs, tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à être présent. Donc, ce soir, on va peut-être live, les gars, 1 heure ou 2. Donc, soyez présents. Et voilà, donc je compte sur vous, maximum pouce bleu, de like, de commentaires. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo sur 2K20, 23. Donc, et si bien sûr ça vous plaît, si je vois que ça vous plaît pour les vidéos 2K, je posterai sur ma chaîne secondaire directement et ça sera consacré au jeu de catch pendant quelques temps. Voilà, les gars. Merci à tous pour ceux qui étaient présents et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye, Simer!